Il y a dimanche 20 janvier 2024 là qui marque 266e commémoration de la mort François Macandal, un esclave qui était gourmé contre système esclavagiste là dans Saint-Domingue. Il était connu utiliser poison contre colonio et puis bouler plantation canyo. Macandal, d'après historien, c'est un esclave qui était déclenché mouvement résistance dans contre blanc français dans colonie. En suivant un dossier spécial avec Jose Varin. 20 janvier 1758, François Macandal, yon esclave qui était révolté contre esclavagiste dans la colonie, condamné et puis brûlé vif sous place publique au Cap-Haïtien. François Macandal, tout le monde connaît sous nom Nèg Marron, était plus gros pionnier révolution haïtienne là, qui après l'éclater dans l'année 1791. C'était 13 années après que Colonio était fini exécuté, esclavio après le mener gros mouvement pour libérer le pays. François Macandal, d'après plusieurs sources historiques, était fait dans le pays Congo, avant d'être déporté quelques années après dans la colonie Saint-Domingue pour travailler comme esclave. Macandal était gain pour religion islam. En même temps, il était un prophète vaudou. Il y en a connaissance qui était maîtrisé plus, c'était plante à tigeant pour le combiner pour composer poison. Macandal, c'était un manchot, ça veut dire, il était gain en sel pour y être. Écrivain Malraux de Saint-Méry, qui écrit sous la vie Macandal, fait qu'on ait été commencé comme esclave dans une plantation dans nos pays, à côté de la petit yombral dans yon moulin sik. Après incident ça, Macandal était sauvé qui était champ pour aller réfugier dans Monio pour mener plein bataille contre Colonio pendant plusieurs années. Macandal était représenté plus gros menace dans l'époque là pour esclavagiste dans le moment. Il était un maître dans affaires composées poison. Comme ça, il était détruit bétail, détruit chancanio avec la vie colon. Pour ça, il était une réputation empoisonnée. Et puis, colonio était quoi, Macandal était un immortel. Ça veut dire, personne pas de catouille, tellement vrai. En pile monde dans la colonie, t'es quoi, nomme ça, t'es un pouvoir surnaturel. C'est pour ça, on était relé le prophète ou bien Messie, qui voulait dire, c'est là qui vient sauver peuple noir en bas griffe esclavage blanc. Macandal, c'était cauchemar colon à l'époque ça. Zakli a annoncé mouvement pour mener le pays à l'indépendance qui face à la métropole. La révolution au Saint-Domingue sera une vraie puissance étrangère. Le souvent bail non Macandal avec tout ça qui gagne pour eux avec poison. Pratique ça, est après le mener pendant 4 à 18 l'année, d'après quelques historiens. Macandal, après la victime, en bas trahison pendant que tu as participé dans une fête, il y aurait les calendas. Pour ça, il était arrêté et puis jeté dans la prison. Il était accusé comme un assassin qui t'a empoisonné Moon dans le tribunal Cap français qui s'est jeudi à Ville Cap Haïtien. L'amour Macandal était triste en pile. Colonio était voulu tracer un exemple. Il était maltraité et puis brûlé sous place d'armes Cap français devant Esclavio. Mais dans tête tout Esclavio, Macandal pas mouru. Il était resté quoi? Il était tourné en sec. Et puis tourné sur une autre forme pour venir continuer la bataille contre Colonio. Parce que, en bas flamme dit fait, l'étape criait, l'ap tourné. Macandal, il était une dans légende dans vos doigts haïtiens. C'est tout ça l'ouverture, c'est précurseur indépendance. Macandal, c'est Sylla qui t'a annoncé bataille pour libération premier peuple noir sous planète là. Histoire Macandal fasciné en pile peuple sous la terre. L'inspiré en pile roman à jeu vidéo tant coup Assassin's Creed 3. Qui êtes-vous vraiment? Le vrai Macandal a péri sur le bûcher. Plusieurs écrivains écrit sous lit, sans compter en dedans en pile roman les ses personnages principaux. Macandal, c'était un gros combattant. Qui t'est sacrifié ville pour permettre Jodia, nous héritier Boutessa, qui c'est Haïti. Jose Varin, Caraïbes FM. Merci en pile, Jose Varin, qui t'a présenté nos dossiers ça sur Macandal.